Salut à tous, c'est Megiddo, nous voici donc pour Mortal Kombat 4, sorti en 97 sur arcade. D'ailleurs, c'est le dernier Mortal Kombat sorti sur arcade. Et là, donc, on a la version PlayStation, parce que j'aurais bien voulu jouer à la version arcade, mais elle est mal émulée sur main. Tellement qu'il y avait une version de même, et il faut peut-être que je la change. Bon, comme vous pouvez voir, donc, on a le mode arcade, le mode team, le mode endurance, le mode tournoi, le mode practice, entraînement quoi, et options. Les options, réglage des manettes, difficulté, des rounds, de 2 jusqu'à... Gagner 9 fois d'affilée, ça va être chaud. Le nombre de continues, entre 0 et 9. Mettre ou ne pas mettre les écrans de versus. Ça c'est pour activer ou désactiver la vibration des manettes. Activer ou désactiver le son. Après ça c'est le réglage du son pour les effets ou pour le volume ou pour la musique. Là c'est pas carte mémoire, là c'est pour combat théâtre. Combat théâtre ça va permettre de voir les fins des personnages, l'intro de la version arcade et l'intro de la version PlayStation. D'ailleurs je vous mets, qui est faite à partir de vrais acteurs. Vraiment pas mal, à part que certains fois c'est kitsch comme Shinnok, et puis j'aime toujours pas le look de Scorp. J'aime pas le look qu'a Reptile à partir de cet épisode. On joue un coup dans practice, c'est juste pour faire un petit truc. Ah non, on peut pas. Regardez, bah tant pis, je vais faire ça montrer dans machin. Donc on a 15. Ah, j'ai oublié. Soit. On a donc 15 personnages de base. 3 persos cachés. Et moi, il y a un truc que j'aime bien. Oh, mais ça n'a pas marché. Je comprends pas, ça n'a pas marché. Je voulais mettre son costume caché parce que, comme c'est en 3D, ils sont amusés à mettre des costumes cachés. Et Johnny Cage a comme costume caché un smoking avec un flingue. Et ça, c'est assez marrant. Donc, comme on peut voir, donc, c'est le premier Mortal Kombat en 3D. Ça reste assez sur le principe du plan 2D, c'est-à-dire on peut pas par exemple tourner autour de l'adversaire, mais on peut l'envoyer dans le fond de l'écran ou dans le devant de l'écran. C'est-à-dire, on reste encore assez avec un gameplay des précédents, c'est-à-dire l'utilisation donc des 4 touches de coup, bloquer et courir. Plus de... Donc, ce qu'on pourrait appeler une... Là, ils ont ajouté le principe d'une touche pour se décaler. Awesome. Comme vous entendez. Par contre, vous notez que l'ombre est complètement foirée. Hein. C'est des cubes. Bon, combat suivant. Ah, c'est appuyé sur le triangle. Ouais, ça devait être ça. Bah, si je meurs, je vous ferai montrer le costume caché de Johnny Cage. Parce qu'en fait, chaque personnage a 2 ou 3 costumes. Certains peuvent aller jusqu'à 4 costumes. Par exemple, on peut avoir un scorpion avec son visage, c'est-à-dire avec son crâne, d'avoir sa tête. Sub-Zero, on peut l'avoir, disons, la version moderne ou la version classique, c'est-à-dire avec ou sans masque. Désormais, on a aussi la possibilité d'utiliser des armes durant les combats. Mais bon, faut connaître les manies pour sortir les armes. Après qu'il arrive aussi encore un nouveau, à savoir Raikou. D'ailleurs, j'adore la fin de Raikou. Raikou est pas mal comme personnage. C'est un nouveau ninja.
Alors c'est différent des autres, parce que déjà, comme Sub-Zero, il a pas de masque. Allez, armé. D'ailleurs, comme je disais, on a trois personnages cachés dans le jeu, à savoir donc le boss de fin, enfin le sous-boss, à savoir Goro, Nob Saibot, et enfin Myth, une sorte de bichelec sur patte. Enfin, une sorte d'un gars écorché. Tanya, celle qui remplace. Ça remplace un peu. Elle remplace un peu les femmes ninja habituelles. Ce que je suis un peu déçu, c'est niveau femmes, on a un peu réduit le quota. Il nous reste plus donc que Tanya et. Et comment elle s'appelle Ezonia. D'ailleurs, c'est pareil pour les fatalités, on a pas mal rétréci, c'est-à-dire désormais on a plus que deux ou trois fatalités. Les Babidity, Animality, Friendships et autres brutalities ont disparu. On a encore des fatalités de décor. Même si bon, certaines sont pas terribles. Genre par exemple, dans un décor comme ici, on va avoir des pics au plafond sans raison. On a des pics qui volent dans le ciel, on sait pas pourquoi. Ah bah je suis bientôt au boss. Faut savoir donc ce jeu est sorti uniquement sur PlayStation. Sur PC, il y a une version assez différente. Appelée Mortal Kombat 4 une chantelle, un truc comme ça. Après, il y a eu donc une version encore boostée sur GameCube appelée Mortal Kombat Gold. Où l'on a vu 6 personnages de plus apparaître. C'est sympa. Enfin, quand je dis 6 nouveaux personnages, c'est en fait 6 vieux qui reviennent. C'était tentant. J'avais oublié qu'avec Johnny Cage, on pouvait faire ça. Il n'y a pas à dire Johnny Cage, c'est un mais disons héros préféré de la série. Hein, parce que bien sûr, je compte pas vraiment Sub-Zero et Scorpion comme des héros. Mais dans l'équipe de base, là, c'est-à-dire Liu Kang, Zenya et lui. Et puis comme dans le film, on peut enfin faire ça à Goro. Eh bien là. On peut enfin le faire à Goro. Et ça, c'est sympa. Pour la 3D, je trouve que ça c'est correct. C'est il y avait quand même. Il y a quand même. Et il y a même toujours pire que ça en jeu de combat 3D. Elle est gagnée, ça veut pas. C'est-à-dire, la 3D reste correcte, même s'il y a certains bugs, comme on peut voir la culotte de Goro, c'est bizarre, là. Ouais. Ouais, il est assez solide, hein, Goro. Autant Shinnok, on va le balayer en moins de 2, autant Goro, on galère pour flinguer. Hein. C'est comme dans le 1. Pour battre Goro, il suffit de sauter et lui foutre des coups de pied. Et voilà, gagné. Allez, un partout. Qui va gagner là? Ouais, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ont mis. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis arrêté à cet épisode dans la saga des Mortal Kombat parce que je trouvais que, disons, la 3D, c'est pas ce qu'il fallait à Mortal Kombat. Là, je suis mort, là. Et ouais, Goro, désormais, il peut faire des fatalités, de nouveauté. Bon, bah, il m'a tué. Voilà. Bon, je vais tenter de leur battre et cette fois je vais essayer de me mettre en comme je voulais, donc ça doit être enfance et start. 1, 2, 3, ça doit être là.
il doit avoir son smoking là. Si j'ai pas de bêtises. Parce qu'on peut changer le costume des personnages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous faites un start, appuyez sur triangle. Et faire pivoter le match. Et voilà. Rien que pour ça, j'adore Johnny Cage. D'ailleurs, le coup du smoking, ils le referont dans les épisodes suivants. Et ça, c'est pour le film, allez hop. D'ailleurs, pendant longtemps, Mortal Kombat 1 était, pour moi, la version de film de jeux vidéo la plus réussie. Hein. Bon, depuis, on avait un peu mieux, quoi, mais on a toujours pire. Quand je pense au King of Fighters qui vont nous sortir bientôt. Et je parle même pas du film Street Fighter qui est sorti, je crois, l'année dernière. D'ailleurs, il est tellement pourri qu'il n'est même pas encore sorti en France, c'est pour dire. Et pourtant, c'est pas avec la gueule de l'autre pouf là de Smallville là, qui l'ont réussi quoi. Allez, sérieux, il est fort gros. Allez hop. Je l'ai eu là. Ouais, je l'ai eu. Bon ben, je vais peut-être finir le jeu. D'ailleurs, je vous laisse la vidéo. Si j'arrive à le finir, je vous laisse le ending de Johnny Cage. Il est trop marrant. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu, à part ça. Graphiquement, comme je l'ai dit, il y a mieux, mais il y a pire. Vous allez voir, Shinnok est vachement sympa à battre à côté de Goro. Alors que c'est un vrai monstre dans... Il est vachement dur à battre, alors pour... J'ai galéré à le battre dans Mythologie, alors que, en fait, il suffisait de faire qu'une seule truc pour le battre. Pendant longtemps, j'arrivais pas à finir Mythologie parce que je comprenais pas comment fallait le battre. Puis après, à la fin, j'ai fini par trouver un truc complètement con. Et voilà, gagné. Vous avez vu la vitesse en flingue? J'ai galéré contre Guru et lui, je flingue en moins de 2. Allez, je vous laisse la fin de Johnny Cage, trop délire. Et on se retrouvera donc bientôt pour Mortal Kombat Special Force. Toujours sur PlayStation. Allez. Come on, don't get silent now.